C'est un projet avec des enfants en difficulté. Et toi, tu dois les garder jusqu'à ce que je trouve de remplaçant. Ok, je vais essayer. Non, non, t'essaye pas. Tu fais en sorte. Bonjour. D'habitude, les gens, comme ils répondent. Moi, je vais vous apprendre des vrais trucs qui vont vous servir dans la vraie vie. On va voir comment ils sont ça. Brossez-vous les dents. Méfiez-vous des adultes qui mangent trop de gâteaux. Les femmes adorent les motos. Il a de la ressource. Fais-lui confiance. Ne croyez pas aux films porno. La vie d'un plombier est beaucoup moins trépidante. Hein? On est ici pour travailler quelque chose d'essentiel, la communication. Non, mais on s'est communiqué, merci. Hein. Et vas-y, baisse les yeux, là, me regarde même pas, baisse les yeux. Mais ça va pas ou quoi, Fabrice? Ça va, j'ai glissé. Eh ouais, il faut dire à Victor de changer les chaises, les tables, hein. C'est super dangereux ici. Hein. Je connais pas vraiment votre histoire, mais ton ami, là, je pense pas que ce soit un bon exemple pour les petits. On lui a beaucoup pris à ce gamin, mais il a un bon fond. Mais moi, je suis pas doué pour parler aux gens. Ça s'apprend. Jimmy, pourquoi tu veux pas parler? Si moi, parler, enfant, rigolez-moi. N'oublie pas qu'un enfant qui cause des problèmes, c'est avant tout un enfant qui a des problèmes. Ils sont marrants, ils sont vifs, ils souffrent en même temps, ils lâchent rien. Ça m'appelle quelqu'un. C'est une question de mentalité. Si tu leur donnes ce qu'il y a de mieux, ils voudront être ce qu'il y a de mieux. C'est moyen que je te le dis pas assez, mais tout ce que ça fait pour moi, c'est pas quelque chose que j'oublie. Il n'y a pas de fait. Dans la vie, il n'y a que des interprétations. Mais c'est trop beau ce que tu viens de dire. Tu viens de l'inventer? Pas là, tout de suite, non. C'est pas une phrase de Nietzsche, ça? Mais après, s'il y a des mecs qui l'ont repris, tu vois, je peux pas...